Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un élément décoratif qui m'a été envoyé par la boutique en ligne Airsoft Peak. Et cet élément, c'est un silencieux que voici. Donc un silencieux de la marque Big Dragon et qui s'appelle le CAC-Type QD Silencer with Flash Hider. Donc le modèle qui m'a été envoyé, en fait, c'est une version longue puisqu'il existe une version courte. Et au niveau des coloris, donc j'ai la version Coyote Brown, mais sachez qu'il existe aussi une version noire. Voilà, donc on va sortir le produit de l'emballage et j'en profite pour vous rappeler que la boutique en ligne Airsoft Peak vous offre un bon de réduction d'une valeur de 5$ à valoir sur votre prochaine commande passée chez eux en rentrant le petit code que je vais insérer là, en haut à gauche. Donc merci à eux. Donc ce silencieux. Alors, ce silencieux vous est fourni déjà avec hop, un flash hider, un cache-flamme en acier, afin de pallier peut-être le problème que vous pouvez avoir, à savoir que le cache-flamme que vous avez sur votre réplique n'est pas compatible. Voilà, donc d'ailleurs c'était le cas pour moi, je suis obligé d'utiliser celui-là. Donc il est en acier. Bon voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce flash hider. Donc on va passer au silencieux en lui-même. Donc comme stipulé dans son nom, hop, c'est un silencieux QD, Quick, alors Quick Distach ou Quick Dismount. Donc le système, on va essayer. Voilà, le système il est là. On tire ici, on insère donc. Une fois qu'on l'a mis sur la réplique, le cache-flamme là, qui vient, hop, voilà. On a une petite, voilà, une petite forme ici, on le met bien comme ça, et ensuite, boum, on resserre, et là, c'est verrouillé. Donc, comme je le stipulais tout à l'heure, c'est un élément purement décoratif, puisque comme vous pouvez le voir, c'est tout simplement un tube, il n'y a rien dedans. Rien de particulier, rien qui pourrait atténuer le son déjà très faible de nos répliques. Le silencieux en lui-même, hop, donc on retrouve des marquages, de nombreux marquages qu'on va essayer de voir. Voilà. Avec notamment, voilà, CAC, donc Knight Armament Company. Donc le silencieux en lui-même, il est fait en aluminium de haute qualité. L'ensemble pèse à peu près 400 grammes. Pour vous donner une idée, la longueur du silencieux, c'est à peu près 18 cm pour un diamètre d'à peu près, on va dire, 4 bons centimètres. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous rajouter? Revenir peut-être sur le flash hider, en fait, c'est un 14 mm, donc CCW. Counterclockwise. Et donc une fois que l'on a dit tout ça, je pourrais aussi vous montrer quelques photos où vous pourrez retrouver ce silencieux, enfin plus ou moins ce silencieux, puisqu'il s'agit d'une copie d'un silencieux existant, donc ce modèle-là. Donc dans des grandes lignes, c'est le même, seul le système d'attache semble quelque peu différent. Voilà, donc j'ai mis le flash hider fourni sur ma réplique. Il ne me reste en fait qu'à hop, glisser le silencieux ici. Hop, en se tirant bien ça, bien sûr, sinon ça va pas le faire. Hop, et voilà, le silencieux est installé.